Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais archi hâte de filmer parce que ça fait déjà très longtemps qu'en fait c'était prévu. Vous avez dû le voir dans le titre, c'est un swap spécial ongles avec Kun Mimi qui est Emeline. Si vous connaissez pas, elle a une chaîne YouTube, de toute façon je vous laisse tout en barre d'informations. Et si vous voulez voir ce que je lui ai envoyé, je vous mets également sa vidéo en barre d'informations. Voilà, Emeline et moi, on avait un budget de plus ou moins 100 €. Mais le problème c'est que on a dépassé le budget de 20 € je crois. Car moi j'en ai profité pour acheter des choses, la nouvelle collection d'Indigo, etc. À Estetica. Et elle est partie aux États-Unis, donc elle a dit qu'elle allait en profiter pour acheter des produits là-bas. Donc je vous laisse imaginer la grandeur du carton, donc XXL. Ah, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Franchement, vous avez même pas idée. Donc c'est parti, j'ouvre et vous allez le voir en tant que moi. Et c'est parti. Oh, franchement, tu m'as vraiment, vraiment bien cerné. Il y a tout ce que j'aime déjà là. Oh, t'es une malade. Oh là là, les plumes, c'est trop mignon. Oh là là, alors là, j'adore, c'est trop trop beau. Donc c'est parti. Il n'y a pas de petit papier avec des instructions, donc du coup je vais commencer. Mais je tiens à vous dire que tout d'abord, j'aime trop ces petits cœurs, c'est trop mignon. C'est parti, je prends quelque chose qui me vient en premier. Alors, oh, c'est trop beau, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est Daily Charm. Alors c'est génial, en fait c'est un stylo pour tout simplement coller vos bijoux 3D ou vos strass. Donc ça c'est vraiment top parce que ça va me permettre de découvrir. Je colle toujours mes strass avec la protéine base, donc ça tombe super bien. Pour le premier produit, tu as tapé dans le mille, j'adore. Ensuite je prends un deuxième article qui me vient. Oh, qu'est-ce que c'est? Waouh, c'est super beau. C'est un coquillage, enfin une coupelle coquillage un peu style holographique. Il y a des reflets dedans. C'est super beau, j'adore. Je pense que il va vite trouver son utilité celui-là. Ensuite, je prends. Waouh. Ah donc ça, je l'ai vu des tonnes et des tonnes de fois sur son Instagram et également sur sa chaîne YouTube. Donc c'est de la marque Vetro, je ne connais pas du tout. Donc c'est en fait, vous avez le semi-permanent et vous avez également le vernis classique. Vous pouvez proposer la prestation semi-permanent et la prestation vernis classique. Donc ça c'est trop cool pour découvrir. En plus le flacon est trop joli. Ça à mon avis c'est un article qui vient tout droit de son voyage à Los Angeles. Merci ma Mimi, pour l'instant tu as un sans faute, j'adore. Ensuite, prochain article, je pioche. Ensuite, oula, oh, qu'est-ce que c'est? Donc nous avons un autre paquet, alors qui est comme ça. Alors qu'est-ce que c'est? Donc ce sont un perfect match, donc c'est le gel polish et le vernis. Pareil, ça j'en ai entendu parler tellement de fois sur sa chaîne. C'est également le même principe que l'autre d'avant, vous avez le vernis et le semi-permanent. Déjà le packaging est dingue parce qu'il est holographique. Oh, et j'aime bien les bouteilles, elles sont trop jolies. Et c'est la teinte paradoxe, je crois que c'est ça. Ensuite, ah il est trop beau le papier, il est noir avec des petites paillettes holographiques. Ensuite c'est une autre marque, c'est Nobility. Donc pareil, c'est la version vernis et la version semi-permanent. Alors ici c'est un beau rouge. Alors c'est un rouge bordeaux. Ça c'est top pour les fêtes, je vous le fais pas dire. Je sais pas, la référence c'est Red Alloué. Et puis moi et l'accent, je vous dis pas. C'est un... Waouh, c'est magnifique. Je sais, il me semble que je l'ai déjà vu en plus sur son Instagram, si elle n'a pas déjà la même teinte ou quoi. Il y a une couleur qu'elle avait mis il n'y a pas longtemps en story qui lui ressemblait vachement. En plus la texture a l'air très agréable à travailler. Hâte de tester. Et vous avez la même chose en vernis. Déjà là Mimi, j'ai envie de te dire je t'aime. Déjà parce que tout est rose et j'adore. Ensuite il y a un troisième petit paquet là dedans. Oh, waouh. Packaging hyper dingue. Oh, il y a des plumes partout. Packaging super dingue parce qu'il est carrément tout holographique. Donc c'est une seconde fois la marque Perfect Match. Et c'est encore un vernis et un semi-permanent. La couleur...
La couleur est dingue. Oh là là. C'est un bleu holographique. Ça existe ça? Donc ceci c'est la teinte Gravity, je crois. Attendez parce que j'ai tout le temps peur de dire des bêtises. C'est ça, Gravity. Trop belle. Oh mes clientes elles vont adorer. Et vous avez la même en vernis. Et pareil la texture je la trouve top. Franchement il n'y a rien à dire. C'est vraiment des marques que je ne connaissais pas du tout. Et c'est trop top parce que il y a vraiment le choix de tout tester. Ouah, tous les petits cœurs. Mais ma pauvre t'as dû prendre un temps fou à tout gonfler. J'ai dû te... T'as dû laisser un poumon là-dedans, c'est pas possible. Ensuite, je vais prendre un autre petit paquet. Donc... Oh non, j'avais pas vu. Il est au fond du colis. Lis-moi avant d'ouvrir ton colis. Oh non, je suis désolée. Ah, il y a une petite plume. Alors, coucou ma Camille, je suis très heureuse que tu m'aies proposé ce swap. J'ai adoré préparer ton colis, aller jusqu'à Los Angeles pour te rapporter des pépites. Alors j'espère que tu kifferas la sélection. Tu verras, l'embout a dépoussiéré, c'est la vie malgré que ce soit pégissage. Mon ego en prend un coup, lol. Petit clin d'œil pour lui, la cuticule, c'était un achat comparatif étant donné que tu en as 150. Je pense avoir mis la main sur le jaune moutarde qu'il te manquait. Pour les brumes, disons que c'est un petit bonus. Me dis pas que tu m'as acheté ça. Me dis pas que tu m'as acheté des brumes, putain. Oh non. Tu verras aussi, je t'ai glissé un stylo pour fixer les strass. Je vais les tester en même temps que toi. Alors on se concertera sur son efficacité. Je t'embrasse bien fort, Mimi. Trop hâte d'ouvrir mon colis. Je pense que le coquillage en verre te servira pour le nail art ou mélange de couleurs. Oh, t'es trop mignonne. Putain, merci beaucoup. C'est con, je l'ai pas ouvert avant. Il est au fond du colis, je l'avais pas vu. Merci, merci mille fois. Donc du coup, prochain colis. Du coup, je me doute de ce que c'est. Parce qu'en fait, elle m'avait demandé si je voulais des choses en particulier. Et je lui avais dit que elle avait un embout ponceuse à dépoussiérer. Que je voyais depuis tellement longtemps dans ses vidéos. Et je me suis dit, écoute, ton embout ponceuse, il me donne trop envie. J'ai trop envie de le tester. Donc, c'est un embout fluffy, mais pas comme le mien. Il est vraiment... plus épais, plus gros. Et dans le petit sachet, il y a des petits échantillons. C'est un échantillon huile de massage pour le corps et crème massage minceur aux 8 plantes actives. Ça tombe bien parce que j'arrête pas de manger des petits pains. Il va m'en falloir plus d'un litre. Oh là là, je suis une grande gâtée. Les couleurs comme ça, ça fait très Victoria's Secret et j'adore. Ensuite, il y a un petit carton. Je vais l'ouvrir. Waouh. Alors déjà je prends la première chose qui me flash tout de suite. C'est ça. C'est une huile à cuticule tellement belle. Mais waouh, elle est super belle. Donc c'est une huile à cuticule avec des fleurs séchées dedans. Et effectivement elle a vraiment bien tapé dans le mille. Parce que je sais pas pourquoi, c'est limite une addiction. Je collectionne les huiles à cuticule. Enfin, c'est pas que je les collectionne, mais c'est que j'adore. Dès que je commande quelque part, faut que j'en prenne une. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Celle-ci, je pense qu'elle va être dans mon top 5. Elle est magnifique. Ensuite, nous avons un VSP Indigo qui est de la collection Glass. Donc en fait, ce sont des semi-permanents qui sont bleus transparents. Et c'est la couleur H2O. Ça tombe bien parce que je ne l'avais pas. Et c'est vraiment un bleu électrique. Il est vraiment très joli. Ensuite, le prochain qui me vient, c'est alors de la marque Bio Seaweed Gel, la teinte 146, ça m'a l'air d'être un bordeaux. Ensuite, nous avons un autre VSP, c'est un couleur gel Presto, de la marque Presto, et j'aime beaucoup le flacon, il est très girly. C'est un rose pastel, c'est la teinte 137. Il est très joli. La texture, pareil, m'a l'air parfaite. C'est vrai que j'en ai déjà parlé avec Meline. Qu'on n'aimait pas trop... Enfin, notre consigne, c'était qu'on n'aimait pas les VSP trop liquides. Parce qu'effectivement, ça coule dans les cuticules. Donc là, ça tombe bien. Ce sont vraiment des VSP à viscosité épaisse. Donc on a le temps de bien travailler sans que ça coule dans les peaux, en fait. Ensuite, je suis très contente parce que je voulais tester... ces VSP là qui est The Gel Bottle. Pareil, j'en entends parler tout le temps sur sa chaîne, je les vois tout le temps, je me disais que c'était vachement canon. Et ça, ça m'a l'air d'être un orange de la teinte Brandy. Et ensuite, nous avons la même marque qui est The Gel Bottle et qui m'a l'air d'être
le moutarde qu'elle me parlait dans sa lettre. Les flacons, ils m'ont l'air énormes. C'est 20 ml. J'ai jamais eu un VSP de 20 ml. Effectivement, tu m'as eu le jaune moutarde qu'il me fallait. Pareil, la texture m'a l'air très intéressante à travailler. Et là, tu as fait le bonheur de toutes mes clientes et de moi-même. Et ensuite, le dernier paquet qu'il y a dedans. Tada! Waouh, alors vraiment, tu es vraiment trop mignonne. Découvrons ça ensemble. Waouh! Donc ce sont deux brumes de chez Victoria's Secret. Oh, je suis vraiment très contente parce que déjà moi-même j'ai une collection dans ma salle de bain de brumes. Et ça tombe bien parce que c'est vraiment deux odeurs que je n'ai pas. Je vais les sentir tout de suite avec vous. En plus, on en parle des bouteilles ou pas? Ce sont des objets de décoration. Oh là là, j'adore. Celle-là aussi, j'adore. Donc écoutez, ce swap est terminé. Je suis vraiment très contente d'avoir fait ce swap avec toi, Mimi. T'es vraiment quelqu'un de très douce et de très gentil. Je suis vraiment très contente. J'espère que mon colis t'a plu. En tout cas, le tien, tu as tapé dans le mille. Tu m'as vraiment gâtée et je suis très contente. Ça m'a vraiment fait plaisir. En plus, tu m'as fait voyager avec toi parce que tu m'as ramené des VSP de Los Angeles et c'est une ville que j'adore également. Tu m'as refait plonger là-bas. Je te fais d'énormes bisous à toi Mimi qui regarde cette vidéo. Je sais que tu la regardes. Je vous laisse sa vidéo également en barre d'informations si vous voulez voir ce que je lui ai envoyé. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos.